Esso Siméon était un esclave de l'alcool. Son addiction à la boisson avait fait de lui une personne qui mettait l'opprobre sur sa famille. Ses parents et ses sœurs, écœurés par sa situation déplorable, cherchaient par tous les moyens de le faire sortir du bourbier dans lequel le diable et ses agents l'ont introduit. Dans les églises, chez les marabouts, toutes les chances sont mises à contribution, mais sans gain de cause. Moi, c'est le frère Esso Yamed Siméon. Il est professeur des disciples Maman Kubion Chantal d'Azagué. Je suis un enfant qui vraiment a grandi auprès de ses parents dans la sagesse et puis vraiment qui travaillait pour ses parents. J'étais à l'église catholique jusqu'à ce que un jour je commence à boire. Mais comment est-ce que ça s'est passé? En 2005, quand je dormais dans mes songes, je voyais des femmes qui m'attrapaient de force, qui voulaient à tout prix me donner quelque chose à manger, c'est-à-dire mettre quelque chose dans ma bouche. Donc, je ne voulais pas, je me débattais. Mais à un moment, j'ai senti qu'il y a effectivement quelque chose qui rentrait dans ma bouche comme la chair humaine. Donc, à partir de cet instant, j'ai commencé à boire, mais je ne comprenais rien. Or, avant, je ne buvais pas. Mes parents même ne comprenaient rien. Donc, en 2006, j'ai fait la fête des générations qui est l'initiation aux guerriers en pays Adjougrou, où là-bas, il faut faire beaucoup d'incantations, beaucoup de choses. Donc, je ne pourrais expliquer ici. Mais il faut faire beaucoup de choses, en tout cas, qui ne sont pas de Jésus-Christ, des choses diaboliques, qui, sauf les initiés, peuvent savoir. Donc après cela, ça s'est empiré, l'état de la boisson. Je buvais. Mais il faut signifier qu'en 2005, j'étais en sixième. Ils avaient dit qu'en 2006, après ma fête de génération, que je ne pouvais pas avoir d'examen parce que ces sorciers-là sont venus, me dire ouvertement que c'est eux qui m'ont donné la boisson. Ils m'ont envoûté. On leur a demandé pourquoi. Ils disent non, ils ont vu mon étoile qui va grandir. Donc, il faudrait qu'il m'élimine, mais pour le faire, il faut que je boive, je sois un esclave de la boisson. Effectivement, quand je dors dans mes songes, je vois que je suis dans des cérémonies ou parfois quand je suis en train de boire dans de telles cérémonies. En réalité, quand je me réveille, j'ai une forte envie de boire. Et même si je suis arrivé dans un endroit où je ne connais personne, l'esprit m'oriente dans un endroit où les gens m'accueillent et puis je bois avec eux. Je bois avec eux. Et quand je bois, je ne suis plus la même personne que je suis. Je me déshabille. Je suis nu. Je me retrouve seulement que le lendemain, après qu'on m'a ramené à la maison. Je peux m'habiller en costume, aller à une cérémonie, mais je me retourne à la maison avec mon dessous. J'ai vraiment souffert de cela, de la sixième à la troisième. Depuis de 2005 jusqu'en 2009. Et effectivement, ça n'allait pas encore. Pendant cela, je partais à l'école toujours et je souffrais de la boisson. Mes parents, vraiment, étaient dépassés. Eux-mêmes, ils disaient maintenant que je faisais semblant. Donc, ils me rejetaient. Mes parents me disent, non, c'est toi, mais tu fais semblant, va là-bas. Mes frères, j'ai dit que je ne vais plus boire. Je vais arrêter de boire aujourd'hui. Mais quand j'ai fini de dire comme ça, dans les minutes qui suivent, c'est la boisson en un point fini. Et je bois seulement. Et mon papa, je lui ai dit que vraiment, si ça ne va pas, je vais quitter l'église catholique. Il dit que lui ne peut jamais accepter que son fils quitte l'église catholique. Parce que c'est un prédicateur qui a travaillé avec les Blancs et il est payé par le Vatican en tant que prédicateur. Donc, il ne peut pas accepter. Donc, le diable aussi a commencé à me malmener. Tout ce que je faisais ne marchait pas. Personne ne pouvait me donner même un emploi à faire. En 2013, j'ai passé le bac, ça n'a pas marché. Oh, j'étais brillant à l'école. Tous ceux avec qui je travaillais, ils ont le bac, ils viennent me demander est-ce que j'ai le bac. Je dis, je n'ai pas le bac. Je bois jusqu'à ce que je me jette dans la lagune. Tout ça, moi, je ne sais pas. Je suis en train d'expliquer parce que c'est des choses qui m'arrivent. Et puis, c'est le lendemain qu'on me raconte ce que j'ai fait. Et je rentre dans la lagune, je ne peux même pas, je ne sais pas que je suis dans la lagune. Et puis,
Je reste éloigné, comment on peut dire ça? Noyé dans l'eau. Et c'est une autre personne, mon neveu, qui est né, qui ne peut même pas supporter mon poids, qui me prend d'un village voisin où j'ai été noyé pour m'envoyer à mon village à 1,5 km. Je vais en ville, quand les gens boivent, même si je n'ai pas l'argent, je peux arracher la boisson d'autrui, et puis je bois, et puis les gens, ils tombent sur moi. Il faut souligner que quand je bois, que je me réveille, c'est comme si on m'a tapé des troncs d'arbre. Je ne peux plus faire quelque chose. J'ai souffert de cela depuis 2005, jusqu'à ce que mes parents m'amènent dans les églises évangéliques où on m'a déboursé des fortes sommes pour poser des actions prophétiques. Ça n'a rien donné. Là-bas aussi, je buvais. Mon papa est allé voir ses supérieurs, les évêques. Ça n'a rien donné. Et moi-même, je suis là, j'étais fatigué. Frère, il faut dire que ce n'était pas facile pour moi. Dans mon village, quand je viens comme ça, que les gens sont en train de causer, quand je viens, ils disent, va nous faire par là. Parce que quand je goûte à une goutte d'alcool, je suis incontrôlable. Si vous êtes assis, je viens. Si vous buvez que vous ne voulez pas que je m'asseye au milieu de vous, je vous fais palabre. Et le lendemain, on me dit, voici ce que tu as fait, voici ce que tu as fait, voici ce que tu as fait. J'injurais des personnes, chose que je ne faisais pas en vain. Et mon papa nous a appelé, il a dit qu'il est fatigué, il est prédicateur, mais il ne peut pas faire 10 enfants, donc 6 garçons, 4 filles, et les 5 garçons sont décédés. Le seul qui reste là, les sorciers vont dire qu'ils vont l'éliminer. Donc lui, il envoie ses enfants, parce que je suis au milieu de 4 filles, 3 filles plutôt. Donc je suis le seul garçon, le dernier. Donc mon papa dit à mes soeurs, envoyez-le partout où vous voulez pour qu'il reçoive la délivrance. C'est là qu'on a commencé à parcourir le monde des ténèbres, c'est-à-dire les féticheurs. Frère, il n'y a pas eu de féticheurs où je ne suis pas passé. Mais avant qu'on ait... Je me suis promené jusqu'à ce que moi-même, quand je vais jeter le féticheur, quand je reviens à la maison, c'est-à-dire le problème se multiplie. Et les démons viennent m'attaquer encore. Et j'ai dit à mes parents que là où vous m'avez envoyé là, voici les génies, les démons de là-bas qui sont venus m'attaquer. Que je souffre énormément. Mes parents disent non, ça va aller, c'est une manière de te sauver. J'ai dit mais je ne peux pas. Ils disent non, laisse-toi, c'est pas toi qui payes l'argent. Mais j'ai dit mais c'est moi qui souffre. Quand je dors, les démons viennent me fatiguer. Ils étaient censés me défendre, mais ils n'arrivent. Ils ne me défendent pas, mais ils viennent encore me frapper. C'est resté comme ça jusqu'à ce que un jour, mes parents me disent que je vais aller en Guinée. Mais bien avant d'aller en Guinée, je suis parti chez un Béninois où il n'a rien fait. Mais quand je suis revenu, j'ai mon beau-frère qui m'a envoyé le livre sur la repentance. Et il m'a donné, il est catholique aussi, il sait les prêtres. Quand il m'a envoyé, il dit, ça, c'est pour toi. C'est toi que ça ressemble. Et il dit, ah bon, donc quand il m'a donné, j'ai pris le livre. J'ai pris le temps d'étudier le livre sur la repentance. Frère, je vous assure, quand j'ai fini de lire le livre, j'ai dit à mes parents, non, ça là, ces gens-là, ils ne vivent pas en Côte d'Ivoire ici. Il n'y a pas une telle église en Côte d'Ivoire, moi je n'ai jamais vu. Parce que tout ce qu'on a expliqué dedans là, c'est la pure réalité, mais je n'ai jamais encore vu l'église. Or, l'église même est dans mon village, il y a des frères dans mon village, mais je n'ai jamais su. Ça m'a étonné, ben, j'ai négligé, parce que j'ai dit que ce caractère de repentance, ce caractère, c'est la manière dont le pasteur a écrit, il dit vraiment c'est ça là que je recherchais, mais ceux-là ils ne sont pas ici. Je vois Cameroun, mais il dit ça là, c'est pour aller là-bas. Non. J'ai négligé et c'est resté comme ça. Donc, je me suis promené encore, frère, j'ai commencé à boire encore jusqu'à ce que un jour on m'envoie maintenant en 2021 en Guinée. Où je suis parti voir un grand féticheur qui dit qu'il peut me guérir. Quand nous sommes arrivés encore, le Seigneur m'a montré en songe où les gens sont venus m'attaquer. Ils m'ont attaqué et on s'est battu. Quand on s'est battu, je me suis réveillé en sursaut avec ma grande soeur qui m'accompagne. Elle me dit, à quoi? Elle dit non, ils m'ont suivi jusqu'ici. Voici. Donc elle dit non, on va aller voir le féticheur. Tout ça va se terminer. Nous sommes allés voir le féticheur. Le féticheur nous dit que les gens sont venus derrière moi, mais lui, ça ne serait pas facile, mais il peut le faire. J'ai dit non, ce n'est pas la peine.
Ce que tu as dit là, mais ce n'est pas la peine. Moi, je vais retenir ici, je dois mourir, je vais mourir là-bas. Mes grandes soeurs disent jamais que moi, je fais semblant. Que ici, là, si je n'accepte pas, c'est fini et ils vont m'abandonner. Parce que c'est leur agent qui s'occupe de tout ça. Donc, moi, d'accepter. Je dis, je ne peux pas. S'il faut que je parte mourir là-bas, je vais aller mourir. Frère, de 2005 jusqu'en 2021, où j'ai été esclave de la boisson, où je bois dans la rue d'Abidjan, je dors dehors, mon portable, tout. On ne voit rien sur moi pendant toutes ces années. Et j'ai dit, comment est-ce que je vais faire? J'ai accepté et j'ai dormi avec les fétiches en Guinée là-bas, dans un endroit sale. C'est là que je dormais avec les incantations, toujours me laver avec de l'eau de canarie, beaucoup de choses pendant un mois. J'ai fini de faire, j'ai dit, je suis bien canqué, je m'en vais maintenant. Les sorciers vont mourir. Ah. Là encore, c'est un problème. Les sorciers vont mourir là, car c'est moi-même, je vais mourir cette fois-ci là. Je suis venu, il y a eu la chance, il y a eu un de mes beaux qui m'a appelé à zaguer dans une société d'Anacad. Dans les premiers temps, je ne buvais pas. Je travaillais normalement, les chefs étaient contents de moi. Paf, j'ai commencé à reprendre encore l'alcool. Cette fois-ci, dans le village des gens, hein, dans la ville des gens, je me déshabille. Je faisais la honte de mon petit pot qui m'envoyait travailler dans la société. Ah! Moi-même, comment est-ce que moi je vais vivre? C'est pas la peine. Donc j'ai dit, je vais aller me suicider. Ils sont venus me prendre, mes grands soeurs sont venus me prendre, on va aller dans un camp de prière. Je leur ai dit, c'est pas la peine. Il a fait un an dans le camp de prière. Rien ne s'est passé. Où je suis là? Si je retourne au village, c'est fini. C'est pour me suicider et puis c'est fini. Parce que j'étais fatigué. Et je suis resté là. Je suis resté là, travailler dans la société. Un bon matin, je suis allé encore me saouler. Me saouler. Quand je me suis saoulé, j'ai pris le car sans rien sur moi. J'ai dit, je m'en vais à Dabou. C'est qu'ils ont terminé, ils ont commencé, ils n'ont qu'à terminer en même temps. Parce que moi, je ne peux pas vivre dans ça. Sur le chemin, lorsqu'il partait rendre visite à ses parents qui habitent à Dabou, toujours dans son état d'ivresse, Siméon fait la rencontre de maman Kouibéon Chantal, qu'il appelle affectueusement « Maman, une rencontre » véritablement salutaire pour lui. Quand j'ai pris le cas, avant ça, la veille, j'ai fait un songe où je partais à Dabou, mais à Djamé, au niveau d'Adjamé, il y a les microbes qui m'ont attaqué, c'est-à-dire les bandits qui m'ont attaqué, ils m'ont poignardé, ils m'ont tué. Puis quand je partais dans le car, j'ai commencé à bavarder, j'étais ivre. J'ai commencé à bavarder et dans le car, il y a une maman qui était à côté. Et la maman, j'étais en train de lui parler. Je lui disais, maman, tu es belle, j'étais en train de vraiment fatiguer la pauvre dame. Et la pauvre dame dit, reçois Jésus-Christ, accepte Jésus-Christ. Il dit, oh, laisse affaire de Jésus-Christ là. Qu'est Jésus-Christ? Jésus-Christ depuis longtemps, quand des prières au fétiche, autour, rien. Et puis il a accepté Jésus comment? Elle dit, mon fils, reçois Jésus. Voici, elle me parlait, mais je banalisais tout ce qu'elle me disait. Et cette dame m'a donné une note, qu'elle a écrit son numéro dessus. Et elle m'a donné un billet de 1 000 francs. Elle dit, rends-toi. Je voulais me battre avec l'apprenti. Et cette dame-là a intervenu. Je suis rentré à Dabou. Quand je suis rentré à Dabou, j'ai bu, j'étais saoulé, j'ai dormi le lendemain, j'ai dit à mes parents que je ne bougerai plus. Et ma maman me dit de retourner à Zaguier, elle dit je ne peux plus retourner. Oh, auparavant, elle voulait que je quitte à Zaguier définitivement pour venir au village parce que je faisais la honte de la famille. Et je lui ai dit, vous vouliez que je vienne au village, je vais rester. Ma maman dit non, tu ne vas pas rester, retourne. Et je lui ai dit, je me suis rappelé que dans le songe, quand je suis parti ivre au village, dans mon songe, il y a l'esprit de Dieu qui me disait, retourne. Où tu as quitté, la femme qui t'a parlé là, depuis que tu me cherchais, c'est là-bas que tu vas me croiser, c'est là-bas que tu auras ta délivrance. Donc, dans mon songe, c'était comme dans la maison de la femme. La femme en question, c'est celle qui est mon faiseur aujourd'hui. C'est dans la maison de la femme, c'est comme si c'était des personnes qui étaient comme dans un camp de prière. Donc, il a voulu surestimer, mais il a dit, ah, je vais aller encore s'il y a un camp de prière là-bas, là, c'est que ce n'est pas la peine. Donc, ma maman m'a demandé, est-ce que c'est une servante de Dieu? Et puis, elle lui a dit, comment t'as dit ça? Mais en tout cas, elle m'a parlé de Dieu, mais moi, je vais aller. Quand tu m'as dit de retourner, je vais aller. Il y a une force qui est entrée en moi, et puis, j'ai eu le courage de retourner. Il faut souligner qu'à plusieurs reprises, ils ont essayé de me renvoyer
au bureau. Mais le Seigneur n'a pas voulu cela. Il voulait faire voir sa gloire. Et quand je suis retourné chez mon faiseur, chez la maman, elle m'a parlé de la repentance dans les formes et dans son fond. Elle m'a parlé de tout ce qui est le péché, les conditions de comment il faut accepter Jésus-Christ. Même si tu dois mourir là, dans ça, est-ce que tu acceptes? Quand elle a fini de parler, quand je regarde mon parcours, j'ai dit, maman, où est-ce que je vais aller encore? Ce n'est pas à cause d'intérêt, ce n'est pas à cause de l'argent, ce n'est pas à cause de quelque chose. Mais aujourd'hui, là, moi, j'accepte ce Jésus-Christ-là. Alléluia. Jésus-Christ. Et j'acceptais Jésus-Christ. La maman dit, ah bon? Il dit, oui. Elle dit, voilà les conditions. Elle m'a mis sous gêne. Elle a appelé mon pasteur. Mon pasteur vraiment bien-aimé, pasteur Didi. Il a quitté son travail. Il est venu dans l'immédiat. Il m'a conduit à la repentance. Tout ce que même mes parents ne savaient pas, j'ai étalé, j'ai dit aujourd'hui là, tout va sortir. J'ai fait sortir tout. Et je lui ai dit, d'ailleurs même, ce n'est pas encore fini. En Guinée là, les escrocs là, ils m'ont donné les guigris. Je vais envoyer tout. Et je suis allé à la maison pour ma de chance au guigris de Antipalo. Tout. J'ai envoyé, il n'y a rien dedans même. Déjà, ils m'ont blagué. Donc, j'ai envoyé ces talismans là au pasteur. Ils ont fait la repentance, ils ont fini, ils ont brûlé. Même rien même je n'ai vu. Personne même n'est venu m'attaquer en songe. Il n'y avait rien. Et je suis resté. Dans l'immédiat, après ma repentance, le Seigneur m'a guéri instantanément, authentiquement. Et depuis là-bas, je n'ai pas bu. Jusqu'aujourd'hui. Alléluia. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. À Jésus-Christ. Clap offering to Jesus. Le Seigneur ne s'est pas arrêté là. Mon faiseur a appelé ma grande sœur pour lui dire, Delphine, ton petit frère aujourd'hui, elle ne croyait pas. Elle dit, non, maman Chantal, elle, ma fille, c'est moi. Elle dit, non, prenez-le, faites ce que vous voulez de lui. En bon, elle pleure. Elle pense que c'est les choses de 2 jours, 3 jours, et puis je réchute là. Donc la maman lui dit, non, c'est fini. Moi-même, j'avais peur. Elle dit, maman, est-ce que tu es sûr? Elle dit, mon fils, c'est fini comme ça. Et puis, elle m'a donné le livre de la repentance et le livre du brisement de liens. Qu'on m'avait donné auparavant, mes parents même m'avaient donné que ça c'est pour toi là. Quand m'a donné, dit quoi? Ce livre là, il a vu ce livre avant. Donc ceux-là, ils sont en Côte d'Ivoire. Donc, acclamation à Jésus. Elle est là. Je regarde le livre, elle dit mon fils, c'est quoi? Il dit non, ce livre on m'a déjà donné. Il a lu le. Elle dit t'es sûr? Il dit oui, mais je n'ai jamais cru que ceux-là pouvaient le trouver en Côte d'Ivoire. Il dit est-ce que ceux-là, ils peuvent vivre? Cette fois-là, les gens peuvent vivre ça. Encore, tu vois, dans les églises que je connais là. Bah, je me suis beaucoup promené. Est-ce que ça y est là encore? Elle dit, mon fils, c'est moi, mais moi, je suis ici dedans. C'est moi qui te parle. Alléluia. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. J'ai dit, comme tu es dedans, moi aussi, je vais être dedans. Siméon, qui avait été envoûté à une fête de génération à laquelle il était actif, a été authentiquement délivré juste après son brisement de liens malsains de famille et autres liens. Aujourd'hui, c'est un homme délivré, restauré et sur le chemin de se marier et fonder une famille. Et j'ai pris le livre, j'ai lu le livre entièrement. J'ai relu le livre entièrement et j'ai fait ce qu'on m'a demandé de faire. J'ai pris les trois. Oui, voici le livre. J'ai merci maman. J'ai fait, voici le livre. J'ai fait ce qu'on m'a demandé et au travail, j'ai pris les 3 jours de jeûne. Mais à partir de cet instant où j'ai accepté Jésus, Mon image a changé au niveau du travail. Tous ceux qui me voyaient autrement ont vu une personne différente de celui qu'ils avaient vu autrefois. Donc quand je partais au travail, les gens disent, mais lui là, est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est lui? Est-ce que moi je le regardais? Je leur ai dit, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, où je suis rentré là? C'est fini. Et puis j'ai commencé à travailler. Même je ne murmurais pas. Quand on dit, mais faut programmer les pommes, je marche, je programme les pommes, fais les rapports, je fais les rapports. Il dit, mais il n'a pas vu. Juste à ce que je fasse mon permis. Il faut dire que avant que je ne fasse mon permis, plusieurs fois j'ai entrepris de faire mon permis. Quand je m'en vais, je bois, je jette le dossier ailleurs. Pendant 3 fois. Et quand j'ai accepté Jésus-Christ, je faisais mon permis. Pendant ce temps-là, le diable ne voulait pas. Et c'est en ce moment que j'ai croisé maman. Donc quand je partais, ce n'est plus que, c'était que je ne retournais plus pour faire le permis. Mais quand je suis revenu avec Jésus-Christ, j'ai terminé mon permis. Alléluia. Donc quand j'ai reçu Jésus-Christ, dans les temps qui ont suivi, j'ai retiré mon permis que pendant tant d'années, je n'ai pas pu avoir. J'ai eu mon permis. Quand j'ai eu mon permis, ma grande soeur qui disait à maman, à mon faiseur que j'appelle maman,
faut prendre mon petit frère. Vraiment, on a souffert. Vraiment, on sera redevable à Dieu. Vraiment, ma grande soeur, elle avait gardé l'argent pour faire son concours. Elle dit, bon, maman, voyez ce que je vais faire. Je vais acheter un véhicule à mon petit frère pour faire le taxi. Donc, elle m'a acheté le véhicule. Elle m'a béni avec un véhicule où elle a dit, c'était pour moi. Mais vous connaissez, quand on n'est pas en Jésus, il y a beaucoup de choses. Après, elle dit, non, c'est pour travailler, payer. Elle dit, mais je suis en Jésus. Le Dieu que je prie à la CMCI, là, il n'est pas mort. Il dit, grand soeur, il n'y a pas de problème. Il dit, c'est combien il doit payer? Il a appelé mon faiseur. Mon faiseur dit, mon fils, il faut lui dire, c'est combien? Il a dit, 2 millions. Il dit, il n'y a pas de problème. Il a payé les 2 millions. Aujourd'hui, il a fini les 2 millions. Alléluia. Et la voiture. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur m'a béni avec la voiture. Aujourd'hui, je suis propriétaire d'un taxi. C'est moi-même qui conduis le taxi. Le Seigneur ne s'est pas arrêté là. Je ne pouvais pas voir une femme parce que ma première femme, c'était la boisson. Je ne pouvais pas avoir l'argent et puis aller derrière les femmes. C'était difficile pour moi. La femme n'était pas une priorité pour moi parce que c'était la boisson, il faut boire. Mais quand cela est passé, le Seigneur a mis à enlever l'opprobre. Et il m'a dit, aujourd'hui, maintenant, tu vas voir, tu vas te casier. Le Seigneur m'a permis de voir encore une merveilleuse. Et Jésus, est-ce qu'elle Jesus, est là? Ici, elle est là. Qu'elle vienne se tenir auprès de toi. Let her come to stand near qu'elle vienne, you. Qu'elle vienne. Offrande d'acclamation au Seigneur Jésus-Christ. Acclamation à Jésus. Love offering to Jesus. Acclamation à Jésus-Christ. Love offering to Jesus. Jésus n'a pas changé. Jesus has not changed. Jésus n'a pas changé. Jesus didn't change. Il peut le faire pour toi. He can do it for you. Et il veut le faire pour And toi. And he wants to do it for you. Le Seigneur m'a fait voir la merveilleuse. Nous avons été sur le dossier. Traiter le dossier, la merveilleuse, accepter. Nous avons été à la formation des fiançailles, des fiancés plutôt, merci, avec nos merveilleux pasteurs anciens, Droit Saïe, le pasteur Lombé, que je remercie beaucoup, qui nous ont, avec maman qui est là. Et. Oui, ta maman qui t'a conduit à Christ. Your mother who led maman, you to maman faisait, maman qui vient. Maman faisait, viens. My disciple maker, come. Elle est là. La maman faiseur arrive. The mother, disciple maker is coming. Acclamons Jésus. Let us clap for Jesus. Acclamons Jésus-Christ. Let us clap for Jesus. Jésus-Christ est vivant. Jesus is alive. Voilà son œuvre. Here is his work. Continue ton témoignage. Continue your testimony. Et donc, Dieu ne s'est pas terminé. Dieu ne s'est pas arrêté là. Le Seigneur vraiment m'a béni. Et pendant ce temps, il y a eu beaucoup d'avantages. Il y a eu une femme qui est directrice d'université qui est venue me voir, de venir la conduire. Le Seigneur m'a dit, ne va pas, reste là. Et je ne suis pas parti. Je ne suis pas parti. Et j'ai continué, on a continué la formation avec ma fiancée. Nous avons été présentés le 26 décembre. Par la grâce de Dieu, avec le conseil de nos anciens, nous avons dit que nous n'allons pas céder la tentation, donner le pouvoir au diable. Le 30 mars de ce mois, on va se marier. Et voilà. Et aujourd'hui, quand je rentre au village, il faut dire que je ne pouvais pas rentrer à Dabou sans que je ne touche à l'alcool. Mais depuis que le Seigneur m'a délivré, je suis parti à l'enterrement de mon papa avec mon frère, le missionnaire Bou Richard, avec les frères qui m'ont accompagné. Les gens ont pensé que le frère venait pour gâter la cérémonie, les obstacles de son papa. Parce que même quand il y a des grandes personnalités qui viennent dans le village, quand je bois, à moi seuls, les esprits-là pouvaient m'utiliser pour gâter toute la cérémonie. C'était de ça qu'il s'agissait. Donc tout le monde me connaissait. On dit, va détruire le décès de son papa. Mais rien ne s'est passé. Alléluia. Les frères sont venus pour me tenir. Il a dit, non. Mon frère est venu, il dit, non, il n'est plus de vous maintenant, il est avec moi. Il leur a dit, non. Jésus-Christ.
Dans mes songes, quand je dors, ils sont dans les bars. Quand je passe, ils sont loin, je suis loin, je suis à côté. Et je fais part de ça à mon friseur. Quand je rentre aujourd'hui au village, les gens, ils ne peuvent pas s'imaginer. Ils ne croient pas jusqu'aujourd'hui. Ils ne croient pas. Vraiment, mes parents ont le repos. Mais vous savez, quand le diable est dans le cœur de quelqu'un, là où son fils a reçu le salut, c'est difficile pour lui de partir. Mais c'est pour cela qu'ils sont toujours dans leur catholicisme ou bien dans leur association. Là. Sinon, le Seigneur m'a guéri authentiquement depuis lors jusqu'aujourd'hui. Je ne bois plus. Je ne suis plus camarade de boire sans. Je n'ai plus l'envie de la boire sans. Je suis avec Jésus-Christ. J'ai quitté Azakie pour aller à Dabou. Je suis avec le missionnaire Nguessan. Et c'est avec lui que je travaille. Vraiment, tout se passe bien. Donc, je voudrais dire merci au Seigneur Jésus-Christ qui m'a délivré authentiquement. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. C'est avec un cœur rempli de reconnaissance à Dieu que les personnes présentes ont écouté le témoignage de Siméon Esso. Délivré et restauré, il est enrôlé dans la grande commission, celle de faire de toutes les nations des disciples du Seigneur Jésus-Christ.